pas d'accord. Thank you.
Thank you.
phase, il y a une phase qui est réservée uniquement aux femmes. C'est pour ça, tout à l'heure, dans le but, il n'y a pas d'homme sur la grande place. C'est la danse royale, réservée uniquement aux princes, aux rois, aux membres de la cour royale. Ne danse pas le bien, mais qui veut, mais qui est initié, qui est autorisé. Voilà assez rapidement ce que c'est que le BNB, le tartan royal et son exécution, la danse des rois. Nous avons un peu de temps. Y a un problema.
Thank you.
À quoi va à vous, les autorités administratives, principalement du corps préfectoral? À quoi va à vous, distingués chefs de service? À quoi va à vous, honorables hommes politiques, membres de l'imposante délégation du festival de la route des reines et des rois? À quoi va à toutes celles et à ceux qui participeront au festival et à tous ceux qui sont venus nous rendre visite ce jour. Le royaume de l'indigné a l'honneur de vous exprimer tous ses sentiments de joie, d'allégresse, de vous accueillir ce jour à Bangro, la cité royale de la paix, dans le cadre de la 6e édition du Festival de la route des reines, des rois, festival initié et piloté des mains de maître par le professeur Amoa Urbain, à qui nous profitons de l'occasion de cette visite à la cour royale d'Abangro pour lui traduire toute notre reconnaissance et notre fierté pour le combat qu'il mène pour la valorisation de nos valeurs traditionnelles, de notre culture et de nos coutumes. À travers l'organisation de ce festival dans le royaume de l'indigné, nous percevons toute la grande dimension que vous voulez donner à notre royaume et votre attachement à la préservation de la culture nègre et à sa revalorisation. Professeur Amoa, à bon vin, point d'enseigne du temps, vous êtes sur bon vin. Aux différentes sommités du monde de la culture, vous qui chaque jour faites tout pour vous distinguer par vos talents et par vos valeurs, nous voudrions vous encourager dans les innombrables tâches et vos multiples travaux de recherche. Vous vous battez enfin d'amener le monde à reconsidérer la culture noire et l'africaine. Recevez ici toute notre reconnaissance. Nous sommes fiers de nos filles et de nos fils que vous êtes. Sans parti pris, sans relâche, nous vous demandons de continuer votre travail d'éveilleur de conscience. Dans ce monde où, plus que jamais, les autorités coutumières que nous sommes sont en train d'être utilisées que des objets de décoration des cérémonies. Faites revivre l'Africain. Engagez-vous à faire renaître l'Afrique. Vous avez tout notre soutien dans vos nobles combats. Il y a des femmes et des hommes qui doivent être heureux aujourd'hui. C'est sans doute nos homologues
autorité coutumière. Vous incarnez les vraies valeurs de la culture, de la civilisation africaine. À travers vous, l'Afrique doit revivre. À travers vous, nos enfants doivent s'intégrer. À travers vous, le monde se doit de regarder autrement l'Afrique. Soyez les bienvenus dans le royaume de l'indigné et continuez d'incarner avec fierté nos valeurs traditionnelles. À toutes les délégations ici rassemblées, nous voudrions vous exprimer nos sentiments d'infinie gratitude. Notre joie de vous recevoir dans cette cour royale immense est immense. Cette visite à la cour royale et votre séjour avant durant cette semaine sont pour nous et pour les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de cour du royaume, un signe de considération et une marque de respect pour notre royaume. Soyez-en infiniment remerciés. Que les mâles de nos ancêtres vous protègent. Le royaume unien vous ouvre ses portes avec enthousiasme et gaieté. Bon festival à tous. Que la route des reines, des mères, édition 2008, connaisse un succès parmi votre pareil et que de vos travaux sortent des communications qui donnent une autre image des reines et des rois d'Afrique. Sa Majesté n'en a pas passé pour le septième roi du royaume de la Nigérie. Le roi qui coiffe cette cité
est une majesté du très bon cœur et que sa prière, qu'il fait tous les jours, et que les membres de nos ancêtres, les membres des ancêtres de tous les Ivoiriens, donnent la paix, le bonheur, la prospérité à tout ce peuple. Amen, amen, amen. Le roi Adjaruto Dodo, roi de l'Aïzo, Alada. Le roi Akasato, Dabome Kalabi. Le roi Signon de la vallée de Lomé, Bénin. Il y a tous ces trois dont je viens de parler sont du Conseil national des rois du Bénin. Il y a ensuite le roi du Cameroun, chef Tom Jean-Félix, chef Bassa du Cameroun Sud. Ensuite, vous avez le chef de Dagoya, ministre à la cour impériale du Moronaba de Ouagadougou. Vous avez le roi Apia de Tanda. Là, je commence par la délégation de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé du Bénin, j'ai parlé du Burkina Faso, j'ai parlé du Cameroun. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire, la délégation qui est venue participer à ce festival. Donc, le roi de Tanda, Apia II. Premier, pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous avez le chef canton des Quétains, Seka Seka Douglas. Et sa suite, vous avez le prince de Djeboloa et sa suite, vous avez le chef canton de Fakobli, à la personne de Kenny qui est derrière moi ici, qui était tout à l'heure votre serviteur, chef canton Kenny qui est là, vous avez le mais je voudrais vous inviter à ce public pour qu'au nom de toute la délégation, vous puissiez vos expressions et abondantes à l'emploi de la liberté. Nana Boa, voici toi. Excusez-moi. Roi de l'avenir, éminente autorité coutumière, administration publique, civile, ici présent. Je voudrais prendre la parole au nom des majestés les rois, chefs coutumiers, tous les responsables chargés de notre passé de culture, venus ici pour exprimer leur conviction, leur joie, leur attachement à nos valeurs de culture de l'Afrique et participer à sa construction par des positions et défenses de base pour une gouvernance à la mesure de l'attente de l'Afrique. Je voudrais pour commencer au nom de toutes ces éminentes personnalités coutumières venues de l'extérieur, leur témoigner ma profonde reconnaissance pour cette considération de prise de parole en leur nom. Et en leur nom, je voudrais témoigner à Sa Majesté Nana Boa Passi III toute notre déférente considération
tout notre profond soutien à toute la gouvernance et gestion et défense du patrimoine culturel sous l'angle de la Côte d'Ivoire, certes, mais relativement à toute la culture du continent africain. On le dit dans notre culture, l'homme qui dort sur la natte du voisin dort à terre. Pour des hommes ou des personnalités comme moi qui ont eu à parcourir le monde, j'ai fait plus de 150 pays sur les 200 du globe. Les Chinois n'ont pas oublié, méconnu ou rejeté leur culture. Les Japonais ont toujours défendu et continuent de défendre leur culture. Des pays de l'Europe, occidentale en particulier, relèvent de gouvernance fondée sur la royauté et les empires. Et cependant, avec l'ordinateur, le développement ne peut souffrir et ne peut souffrir d'équivoque. En raison de cela, l'Afrique n'a pas à mésestimer sa culture. L'Afrique n'a pas à regarder sa culture comme relevant de quelque chose de péjoratif. Nous avons connu des empires et nous sommes ici dans les lignées. Et nous sommes ici devant nos rois, c'est-à-dire depuis des siècles. Ils ont eu une gouvernance. Je relève en particulier du Burkina Faso et du Mongo, qui a été fondé au XIIe siècle. Et le Mongo n'a pas existé aujourd'hui, c'est-à-dire 1000 ans. Il est ici, les rois du Bénin, du Cameroun, les rois d'un peu partout, je veux dire de l'Afrique. Il n'y a jamais eu ce que nous avons à déplorer aujourd'hui et qui porte pour nom génocide et autres. Nous n'avons jamais eu à déplorer des crises cycliques, des famines, des morts, des intempéries fondées sur la pauvreté, en raison justement de la solidarité qu'on connaît de l'Afrique, qui ne peut pas et ne pouvait pas être pauvre au-delà des limites objectives de l'économie que nous connaissons. Mais cette solidarité est telle que l'homme ne peut pas ne pas vivre heureux. C'est pour cela que quand votre fils, le professeur Amon Urban, a eu à initier ce festival des reines, de la route des reines et des rois, et particulièrement pour cette 6e édition, a eu à fonder cela sur le thème de la gouvernance des traditions pour la paix, pour la solidarité en Afrique. Cela relève, et j'allais dire, relève de travaux qui auraient dû être avant lui, pour être complétés par lui, pour être poursuivis par les successeurs. C'est dire que votre fils, notre fils africain, mon fils, le professeur Amon Urbain et toute l'équipe qui l'anime, qui l'entoure, équipe qui, depuis 6 éditions, lutte pour que la culture et nos coutumes n'échappent pas à nos universités, pour que la culture, nos coutumes, relèvent de recherche, de connaissances, de maîtrise, d'enseignement, pour que, justement du fait que l'Afrique n'a jamais connu de tant de déboires que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que la gouvernance africaine dispose de moyens, de possibilités de prévenir les calamités, prévenir les incompréhensions, prévenir les désordres, la famine et autres que nous connaissons. C'est dit que de tels festivals, de rencontres, de sommités, et je les salue une fois de plus, tous ces grands chercheurs, professeurs d'université, avec les chefs coutumiers, cette présence depuis plusieurs années, cette conviction, ce travail pour donner une base à l'Afrique, pour que l'Afrique se réconcilie avec elle-même, pour que l'Afrique soit elle-même, pour que l'Afrique se retrouve dans son identité, cela, certes les délégations extérieures saluent, c'est pour cela que nous sommes là. Mais cela, c'est une fierté pour nous
et nous saluons la Côte d'Ivoire. Nous félicitons la Côte d'Ivoire d'avoir eu de tels enfants qui sont certes des enfants de la Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes le disent, et je le dis, qui sont d'abord des enfants qui luttent pour l'Afrique, pour la renaissance, la résurrection de la vraie Afrique, pour la paix, la concorde et tout en Afrique. Ainsi, Majesté, une fois de plus, notre différente considération et les prières, comme l'a dit tout à l'heure mon aîné, Sa Majesté, le roi au niveau du Bénin, de prières pour la Côte d'Ivoire, de prières pour les aînés, avec vous. Je voudrais, reprenant la parole en leur nom, dire que nous avons été profondément meurtris en arrivant ici pour être nous-mêmes témoins de ce drame qui a frappé votre marché, Majesté. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui pour lequel nous ne pouvons pas maîtriser tous les paramètres, en particulier quand cela relève et du modèle qui vient, c'est ce qui est passé, à condition que les hommes ne se découragent pas. C'est dire que vous avez tout notre soutien et toutes les personnalités, autorités, coutumières, morales venues de l'extérieur s'associe à moi pour vous dire, Majesté, que nous vous apportons notre soutien et nous serions honorés si vous pouviez nous prendre en considération afin que, ensemble, nous puissions, d'une manière ou d'une autre, apporter notre contribution à la reconstruction de ce marché et qu'il réponde. Et qu'il réponde de votre attente, de notre attente, qu'il réponde de l'attente du bonheur de l'Afrique. Majesté, nous avons été honorés. Je crains de continuer de garder la parole, mais j'avoue que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais chez moi on dit, si l'homme veut trop parler, il risque de se tromper. Je vous demande de considérer simplement ce qui est du cœur, déjà dit par des chefs coutumiers qui m'ont précédé, dit par tout ce qui a été révélé des discours de la Côte d'Ivoire qui m'ont précédé et qui sont de la connaissance de l'Afrique, de la défense de l'Afrique par elle-même, en conjonction avec l'apport positif des autres cultures du monde. Nous sommes heureux et nous avons été heureux d'être auprès de vous. Nous nous engageons pour ce festival à nous y consacrer avec toute la confiance témoignée à notre endroit par le professeur Amoi Urbain afin que les fruits de ce travail, de ce festival, répondent de votre attente, répondent de l'attente de la Côte d'Ivoire, répondent de l'attente de l'Afrique. Je vous remercie. Je vais vous dire, c'est plus vieux, c'est plus vieux.
Ou bien nous, ou bien pour avoir une demande, c'est